Bonjour tout le monde. Vous allez bientôt devoir payer plus cher pour prendre l'autobus à Québec. Le réseau de transport de la capitale va augmenter plusieurs de ses tarifs à compter du 1er juillet. Par exemple, un billet simple payé en argent comptant va désormais coûter 3,75, une hausse de 25 sous. Le laissez-passer mensuel va quant à lui passer de 89,75 à 91,95, soit 2,5% de plus. Le RTC souhaite combler le manque à gagner provoqué par la baisse de l'achalandage. Le maire Bruno Marchand a réagi ce matin. Il espère que ce sera la dernière hausse. La Ville, on est prêt à faire un bout de chemin. Là, on va avoir nécessairement besoin du gouvernement du Québec. Mais nous, la tendance, elle est à l'inverse. On veut réduire les tarifs. L'organisme Accès Transport Viable demande également aux différents paliers de gouvernement de trouver des solutions durables pour assurer le financement des sociétés de transport. Un des tristement célèbres symboles de la pandémie à Québec va bientôt être reconverti. Le bar Le Kirouac dans le quartier Saint-Sauveur va laisser place à un projet de logement communautaire. Il sera piloté par le Comité des citoyens et des citoyennes de Saint-Sauveur avec le soutien de la Ville de Québec. L'objectif est d'ériger une coopérative de 30 logements sur le site d'ici 2025. Ça nous fait vraiment plaisir parce que ça va contribuer à aider les locataires du quartier Saint-Sauveur qui sont affectés par la crise du logement qui s'accélère, qui sont affectés par la gentrification, par les loyers qui augmentent. On ne sait pas encore si le bar va être démoli puisqu'il aurait une valeur patrimoniale présumée. C'est la commission d'urbanisme qui va devoir se pencher sur cette question-là. Le projet s'inscrit dans la vision de l'habitation 2020-2030 de la Ville de Québec qui met de l'avant la réalisation de 2600 nouveaux logements communautaires et abordables d'ici 2030. Et l'équipe de Je cours Québec a dévoilé le tout nouveau parcours de l'édition 2022 du Marathon de Québec. On se souvient que l'an dernier, l'événement en présentiel avait été annulé en raison de la décision de la Ville de Québec de retirer son soutien financier à 15 événements majeurs, dont le marathon. C'est donc un retour à une formule plus traditionnelle. Les marathoniens vont pouvoir profiter de la vue sur le bord du fleuve puisqu'ils vont devoir courir une douzaine de kilomètres sur la promenade Samuel de Champlain entre l'Aquarium et le Vieux-Port de Québec. L'organisation affirme que les travaux préparatoires du futur tramway expliquent ce choix. Les coureurs vont prendre place sur la ligne de départ le dimanche 2 octobre prochain. Pour d'autres nouvelles, consultez l'appli Info de Radio-Canada.